Alors, Nasser Al-Khelaifi, qu'est-ce qu'il nous dit ce soir, cet après-midi? L'objectif reste le même. C'est-à-dire, c'est pas le championnat, c'est pas la coupe, c'est pas la coupe de la Ligue, c'est remporter la Ligue des Champions. Voilà, il dit au début du projet PSG, on avait besoin de joueurs pour développer notre image, donc Beckham et compagnie. Aujourd'hui, grâce à eux, le PSG est connu partout dans le monde. Désormais, le PSG veut des joueurs qui mangent le gazon, prêts à mourir pour le club et pour ce maillot. Il peut pas nous vendre ça. Voilà comment il explique la nouvelle stratégie. Pourquoi nous dire ça? Parce que je ne pense pas que tu fasses venir Ancelotti après avoir dégagé Comboiré pour vendre l'image du Paris Saint-Germain. Ça, c'est de la fumisterie. Il y a les joueurs Zlatan, avec Ancelotti. Ce n'est pas les joueurs seuls qui te permettent de faire grandir le club. C'est aussi le manager. Et quand tu avais Ancelotti sous la main, et c'est le premier qui l'a expliqué lorsqu'il a été dégagé du Paris Saint-Germain, lorsqu'il est parti, pardon, de sa propre décision, c'est qu'il avait senti qu'on voulait le dégager après la défaite contre Reims à la mi-saison. Et il avait eu cette phrase que je trouvais très juste et qui en disait long à l'époque sur la façon dont les Qataris voyaient l'évolution de ce club. Si on m'a recruté pour avoir des résultats tout de suite, moi, c'est pas l'idée qu'on m'a vendue. Moi, l'idée qu'on m'a vendue, c'était de développer un projet. Alors, dans ce projet, il y avait des résultats, mais pas seulement. Pas seulement. Donc, ils ont fait, je l'ai dit, une espèce de grande boucle comme ça pendant 4 ans hein, avec Laurent Blanc. Maintenant, ils reviennent à, je ne vais pas dire la case départ, mais ce qui devait être l'origine du projet. C'est pour ça que je pense que Nasser, il nous vend quelque chose un petit peu de l'ordre de la fumisterie en disant, voilà, on a fait un premier étage de la fusée, il était question de faire une vitrine où on vendait l'image du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va avoir des mecs qui vont manger à la pelouse. Non, c'est d'avoir un projet cohérent avec un manager et de bons joueurs. Donc la star du PSG pour la saison 2016-2017, c'est le collectif. Mais ce n'est pas complètement incohérent quand il pense, c'est-à-dire d'un point de vue entrepreneurial, stratégique, marketing. De dire ça, c'est le cas. C'est pas une entreprise commune. Exactement, mais c'est justement, c'est là que j'allais en venir. C'est que finalement, là, quelque part, il avoue lui-même qu'il s'est planté au départ. C'est-à-dire, il pensait justement qu'en accumulant les bons joueurs, ce qu'avait fait d'ailleurs un club qui était, qui on ne peut plus historique, mais justement l'après Bosman, qui avait été marqué par des transferts de dingue, quand le Real a voulu accumuler les grandes stars, ils se sont dit, si on met des millions, ça suffira, on aura des grands joueurs, donc ça fera une grande équipe. On s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Ils ont un peu tenté cette même stratégie. Alors, certes, et moi je suis convaincu que c'est sincère ce qu'il dit quand il déclare qu'effectivement il voulait faire parler du Paris Saint-Germain, sauf que, et limite je vais te dire, il y a souvent eu quelques petites erreurs de com comme ça au Paris Saint-Germain, de la part que ce soit des Qataris, de l'entraîneur, les changements d'entraîneur, la façon dont ça a été fait, dont ça a été communiqué, dont ça a été expliqué, tu vois, ne serait-ce que la prolongation de Laurent Blanc qui se fait virer derrière, tu vois, enfin tout ça est très confus par moment en termes de com. Mais par contre, sa déclaration, oui, d'ailleurs, là, il nous a fait avaler une énorme saucisse. Enfin, il a tenté de la faire avaler parce qu'on l'a pas avalée. Il dit oui, donc j'ai décidé qu'il fallait remplacer Laurent Blanc. C'est très bien que ce soit lui qui a décidé. Non. Et il a peut-être participé à la décision. Oui, par contre, il y a une chose aussi, et ce qui est très intéressant dans sa fameuse déclaration quand il dit « maintenant, il nous faut des joueurs qui bouffent le gazon », c'est quelque part, il est en train d'avouer qu'au fait, avant, il s'était peut-être un peu planté dans le casting. C'est-à-dire de dire « bon, bah, avant, on avait fait venir des joueurs », et je vais même te dire, je vais même aller plus loin que là, moi, je me mets à la place des joueurs qu'il avait fait venir au préalable, qui ont peut-être été sincères dans leur démarche et dans leur façon de jouer parce que ce sont des professionnels et qui se disent ah ouais, au fait, en gros, là, le PSG sont en train de nous expliquer que nous on était là pour faire les potiches et faire les bimbos et être dans la vitrine et qu'au final nous on mouillait exactement, pas le maillot quoi. Exactement. Là, c'est un peu c'est maladroit.